trophée, succès comme sur des roulettes, terminer les deux sections en chariot dans le tunnel souterrain sans subir de dégâts. Alors on est au niveau du chapitre 11, à un moment donné on doit monter dans un chariot, alors il va y avoir une toute petite escale, mais juste après on se relance une seconde fois. Vous avez une petite jauge, alors vous voyez bien, hein, quand si vous prenez des dégâts, il y a des rebords un peu grisés, on voit dès qu'on prend des dégâts, donc pas hésiter à bien regarder où sont les ennemis, où est-ce qu'ils pop, à contrebalancer le poids à gauche et à droite en fonction d'où apparaissent les étincelles, et normalement c'est un trophée qui se fait bien, surtout si on joue à la suite. Bon, après nos deux potogres au fourneau, maintenant on va jouer avec un chariot. Allez, pousse, Sancho. Qui est-ce que t'appelles Sancho? Ça y est, on roule. On devrait aller plus vite avec ça. J'arrive pas à croire que je fais ça. Eh, hey, on est pressé, non? Oh, au fait. Quoi encore? J'espère que t'es bien attaché. On déraille! Faut aller du côté opposé où ça. Où il y a les étincelles pour faire contre-toi. Arrivé. Tiens, les gars. Ça y est. Tu rigoles. Les choses ne font que commencer. Normalement, on a une deuxième séance, un trophée où on doit faire deux trajets de ce type sans que notre chariot prenne des dégâts. Ok, on y va. Ah, je hais ce truc. Sortie. Thank you.
sur des roulettes. Oh, putain. Prenne. T'es sérieux là? Saute! Oye! Luis! Tu peux m'aider? Compte jusqu'à 3 la prochaine fois. Ok, Sancho? Ouais, c'est ça. Oh la va! Tiens! Mais finalement, on s'en sort bien. Voyez. Dans la ruche.